Salut les amis, cet après-midi, nous allons écouter l'histoire que j'ai intitulée « Un enfant sage ». Monsieur Ladrone avait un fils qui s'appelait Sabio, il aimait son fils l'aimait beaucoup. Alors, Monsieur Ladrone avait un problème, c'était un kleptomane. Et finalement, lui, donc, il allait chaque fois avec son sac à dos, là où il allait, partout. Alors, ce jour-là, ils se sont retrouvés dans un champ de maïs. Et il a dit à Sabio, Sabio, reste là dehors et tu regardes tout autour. Si tu vois qu'il y a des gens qui s'approchent, tu siffles. Et puis voilà, finalement, Sabio était là, il regardait. Il se positionnait toujours là où il fallait. Il a regardé. Et puis finalement, il a vu qu'il y avait des gens qui venaient. Il a sifflé. Il a fait comme s'il sifflait aux oiseaux ou il sifflait à un ami, à quelque chose comme ça. Il sifflait à quelqu'un pour attirer son attention. Et son père, après avoir écouté le sifflet de Sabio, il s'est dit, il y a quelque chose qui se passe là, il y a des gens qui arrivent. Et il a pris son sac à dos, calmement il est sorti, puis il a salué les gens que Sabio avait rencontrés. Mais Sabio, en lui, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il avait entendu comme un bruit, quelqu'un qui avait fait « chut », il a regardé tout autour, il n'y avait personne. Il a regardé en haut, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Finalement, ils sont allés à la maison, ils ont mangé le maïs sans problème. Alors, une autre fois, ils sont allés dans un supermarché. Ils arrivent dans le supermarché, son papa lui a dit, alors, Sabio, tu regardes tout autour, si tu vois qu'il y a des gens qui travaillent dans le supermarché qui s'approchent, tu fais semblant de tousser. Il a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, papa. Le papa est parti, il a regardé, il a pris des vêtements, des chaussures, il a mis donc dans le sac à dos tranquillement. Et comme il n'y avait rien de suspect, Sabio n'avait pas tout sauté, il n'y avait pas de problème. Puis finalement, lui, Monsieur Ladrone, a pris le sac à dos et tout ce qu'il y avait là-dedans, qu'il avait volé, ils sont allés à la maison tranquillement, il n'y avait pas de problème pour lui, on ne l'avait pas attrapé. Alors, lui, le petit Sabio, en lui, il était toujours inconfortable parce qu'il entendait, même comme une voix qui lui dit, mais si on te faisait ça à toi, si tu es le propriétaire du supermarché, est-ce que tu serais heureux de savoir que des choses sont, qu'on est en train de voler des choses là-dedans? Alors, il était mal à l'aise. Il s'est dit, non, ça ne se fait pas, c'est pas comme ça. Finalement, c'est arrivé un peu plus tard, ils sont arrivés dans une épicerie. Et dans l'épicerie, c'était la même chose. Il a dit, Sabio, tu regardes tout autour, s'il y a des gens qui travaillent dans l'épicerie qui s'approchent, tu fais semblant de tousser. Alors finalement, lui, il est là, il était là, et puis Sabio, il entendait toujours cette voix qui lui disait, c'est pas bien de faire ça, et c'est pas bien de faire des choses pareilles. Alors il était tellement mal à l'aise que quand ils sont arrivés à la maison, il a dit à son papa, papa, il y a quelque chose qui ne va pas. La première fois, quand on est allé au champ, quand tu es allé prendre le maïs dans la plantation, j'avais entendu un son, quelqu'un qui a fait chut, et je regardais tout autour, il n'y avait personne. Et puis après, bon, j'ai sifflé, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui ne va pas, papa, c'est pas bien ce qu'on fait. Et c'était pareil dans le supermarché, c'était pareil dans l'épicerie. Alors, je ne sais pas, vraiment, est-ce que tu peux arrêter ça, s'il te plaît, papa? Son papa a dit, Sabio, mon fils, tu as tout à fait raison. J'avais entendu ce bruit-là que tu viens de manger, le chut, là, quand on était dans la plantation de maïs, j'y étais, moi, avant que tu ne siffles, j'avais entendu ça. Et je me suis entêté, puis c'est pareil, dans le supermarché, et puis dans l'épicerie, ce que tu as entendu, moi j'ai entendu. Je crois qu'il est temps pour moi d'arrêter. Alors, Sabio, tu es un garçon sage, merci beaucoup de m'avoir aidé. J'ai mon argent, je vais maintenant utiliser mon argent. Et quand ils sont sortis ce jour-là, ils ont vu un monsieur qui avait un porte-monnaie, son porte-monnaie est tombé, et Sabio est allé, il a ramassé le porte-monnaie, il a dit, excusez-moi monsieur, s'il vous plaît monsieur. Le monsieur s'est retourné et a dit, vous avez fait tomber votre porte-monnaie. Et le monsieur a dit, ah, c'est très gentil, mon petit. Il a ouvert le porte-monnaie, il a pris 20 dollars, il lui a donné de l'argent. Et il a dit, merci beaucoup, monsieur, merci. Il a dit, oh, merci, merci, mon petit, merci, mon fils, merci, merci beaucoup. Alors, à partir de ce moment-là, Sabio et son papa ont complètement changé et monsieur Ladrone a complètement changé de comportement, totalement. Et son fils était si fier de son papa et le papa était si fier de son fils. C'est la fin de notre histoire d'aujourd'hui. Souvenez-vous, le titre que c'est « Un enfant sage » et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir !